Les candidats sont en plein cœur de la campagne. Ils tractent, ils diffusent leurs propositions, mais à 3 semaines du premier tour de scrutin. Le dernier sondage dévoile que la campagne ne profite pas à tout le monde de la même manière. Depuis la dernière enquête d'opinion de la mi-février, pour les 3 candidats de tête, les écarts persistent et se creusent. Au premier tour, Simon Renucci gagne 1 point, Laurent Marcangeli en perd 2, José Philippe y en gagne 1. Avec 40% des intentions de vote, le maire sortant est conforté dans sa stratégie de composition de liste. La chance du rassemblement, c'est celle d'accueillir des personnes, des militants, et en même temps des personnes qui ont une exigence forte de faire valoir leurs idées et de gagner sur le terrain. Et cette force militante qui nous a rejoints est pour nous un heureux présage. Le décalage avec le candidat de droite est amplifié au second tour. En 3 semaines, Laurent Marcangeli perd dans tous les cas de figure, duel ou triangulaire, de 1 à 3 points. Le sondage sera démenti. Le sondage ne tient pas compte des réalités du terrain. Le sondage sera aujourd'hui une photographie qui sera démentie le 23 mars. Je crois que les sondages, de toute manière, ne tiennent pas compte de la réalité aujourd'hui que nous pouvons ressentir à Ajaccio. Ça, c'est une certitude. Mais si le sondage livrait, on s'orienterait vers des triangulaires. Simon Renucci n'a pas besoin d'alliance au second tour et les nationalistes peuvent prétendre une présence active dans le conseil municipal. Quel que soit le format de notre présence, on sera là pour se battre. Et avec la légitimité que nous aurons donnée aux Ajacciens, on imposera au conseil municipal qui sera en place à ce moment-là de faire passer tout ou partie du programme. Enfin, 4 listes sont en dessous des 10%, voire des 5%. L'enquête d'opinion ne leur laisse envisager ni fusion, ni maintien au second tour. Mais il reste encore 3 semaines de campagne. Responsable militante syndicale.